Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop excitée et contente de vous retrouver dans un nouveau hall. Et j'ai craqué dans des belles enseignes canadiennes, vraiment. Mais aussi une enseigne française méga connue, la marque de luxe Dior. J'ai fini par faire une commande sur le site Dior. Je vous en ai parlé sur Instagram, donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas si vous ne me suivez pas encore là-bas. À vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo aux fans de make-up et de beauté et du S aussi, parce que si vous aimez tout ce qui est marque américaine, ça va peut-être vous intéresser, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Donc celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine de cette chaîne Karine Miss Boop et de Instagram Karine Miss Boop. Je suis une fan de beauté, je parle aussi de mon immigration au Canada en ce moment, ça fait déjà 3 mois que je suis ici. Je vous ai fait d'ailleurs un petit bilan dans une dernière vidéo, un petit peu chit-chat make-up, bilan de ces 3 mois d'immigration. Et là j'avais envie de faire ce beau haul parce que j'ai craqué pour des petites choses sympas. Beaucoup d'offres chez Bath & Body Works, là vous voyez, hop, j'ai 3 sacs Bath & Body Works. J'ai fait une commande sur le site Dior, oui, parce qu'il y avait les nouveautés de Noël et que j'avais pas envie de louper cette fois-ci. J'ai préféré craquer sur le site parce que même s'il n'y a pas forcément d'offres, vous avez quand même souvent des beaux cadeaux, donc je me suis dit pourquoi pas. Sachez aussi qu'au Canada, on n'a pas les mêmes offres exactement chez Sephora qu'en France. Et donc, j'ai réussi à avoir que moins 15% chez Sephora pendant leur période de solde avant le Black Friday. Du coup, 15% c'est pas beaucoup par rapport aux 25% de France. Mais j'ai pris quand même quelques petites choses chez Sephora en attendant le Black Friday, en attendant peut-être d'autres offres. Mais chez Dior, je préférais acheter sur le site direct. Je vous ai fait un unboxing vraiment en direct sur Insta si vous n'avez pas vu. Mais pour celles qui n'ont pas Instagram et qui ne souhaitent pas aller là-bas, je vous montre rapidement ce que j'ai pris sur le site. Déjà, sur le site, c'est vraiment très bien présenté quand on vous envoie ça dans une belle box et tout. Donc, je suis trop contente d'avoir cette jolie box. Et j'ai pris 3 produits dans la collection là qui vient de sortir de Noël, 2 rouges à lèvres sequins, c'est les fameux rouges à lèvres sans transfert ultra pigmentés, mais avec des petits sequins à l'intérieur. Et je porte déjà là, je ne sais pas si vous verrez les sequins à l'intérieur parce que sur Instagram on voit mieux, mais je porte le rouge qui est le 999, celui qui était sorti l'année dernière en édition limitée. Et là j'ai pas pu résister quand j'ai vu qu'ils étaient revenus. Une vendeuse chez Dior m'avait dit qu'ils allaient ressortir là, donc j'ai pas résisté. J'aime le rouge pour les fêtes de Noël, mais c'est pas ce que je porte au quotidien. Du coup, j'ai pris une couleur avec qui est un petit peu plus traditionnelle, un peu plus basique. Donc j'ai pris donc le rouge. Et ils sont plutôt pas mal pour l'application et tout. Je trouve ça pas mal. Ils ont un espèce de petit embout comme ça, un peu en forme de goutte pointue qui aide quand même à plutôt bien mettre le rouge à lèvres. Je suis pas hyper fan du packaging bicolore comme ça, argenté et doré. Je trouve ça pas extrêmement classe, moi je trouve. Bon, ce n'est que mon avis. Et dans la deuxième couleur, j'ai pris donc un nude rosé qui est le 100 Dream. J'ai hésité avec le 300 quelque chose qui est aussi très beau. Il se présente comme ceci. C'est vraiment pareil, un effet mat, hyper pigmenté, comme je vous l'ai déjà dit. Et il y a des sequins, mais alors c'est pas du tout aussi marqué que je trouve sur le rouge. On les voit les sequins, mais c'est pas ouf quoi. J'ai craqué aussi pour une poudre lumineuse, c'est la 001 hors lumière. Et alors je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus claire, parce que c'était soit celle-ci, soit une plus foncée. Mais en vrai, elle est quand même foncée. Donc déjà le packaging est juste trop canon comme ça. Et la teinte est très jolie, mais elle est quand même assez foncée. Vous voyez, c'est comme un rose gold. Il est très beau. Et si vous regardez bien, il y a les petites écritures dessus, les petits reflets là, les petits reliefs, c'est magnifique. Bon, en vrai, j'ai acheté parce que j'aime beaucoup les enlumineurs Dior, mais c'est vraiment des enlumineurs. Alors, je ne l'ai pas encore beaucoup testé, là, j'ai juste mis ici, mais je crois que ça se voit pas. J'ai pas osé trop mettre mon pinceau parce que je voulais d'abord faire des photos, mais j'en ai déjà un enlumineur Dior et je l'aime beaucoup. Donc, je me suis dit que c'était une valeur sûre, tout comme le rouge à lèvres. Avec ceci, j'ai eu 3 échantillons choisis, un soin pour le visage, un parfum. Je crois que c'est le Miss Dior, oui. Et j'ai demandé un mascara. Et ça, je suis trop contente en miniature parce que vraiment, c'est un de mes mascaras favoris.
Ils vous envoient les échantillons dans des petits pochons comme ça que vous pouvez récupérer, réutiliser, donc c'est cool. Comme ma commande a atteigné les 140$, parce que moi j'ai payé sur le site Dior Canada, évidemment, hein, pour éviter les frais de douane, etc. Là c'était vraiment par le Canada. Vu que j'avais atteint un certain palier, j'avais un cadeau bonus, on va dire. Et c'est une sorte de petit pochon à bijoux comme ça, ou à rouge à lèvres, ou à ce que vous voulez. Vous mettez à l'intérieur, vous pouvez resserrer les hanches là, et puis comme ça vos bijoux sont en sécurité dans cette petite pochette. Honnêtement, c'est un très joli cadeau. Et alors, j'ai eu la surprise de recevoir un autre cadeau en plus. Et vous avez vu, si vous avez sur Instagram, vous avez vu, j'étais assez étonnée. C'est emballé comme ça, je me suis demandé ce que c'était. Et en fait, c'est un set à correspondance pour Noël avec des cartes de cette collection là Dior. Donc j'aime beaucoup beaucoup la collection. Et allez me retrouver sur Instagram parce que dedans je vous prépare une surprise. Je vous ai proposé de me commenter mon petit réel avec un petit mot pour pouvoir vous envoyer à quelques-unes d'entre vous une carte Dior comme ça. Donc il y a les cartes, il y a les enveloppes. C'est vraiment une super idée, je trouve, de la part de Dior. Et en plus, je m'y attendais pas, donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Il y a même la place ici de mettre un petit crayon gris, un crayon à la mine, crayon à papier, c'est tellement, ou un stylo pour pouvoir écrire sa lettre et l'emmener avec vous. Vraiment, je trouve l'idée trop cool. On va tout de suite passer à Sephora où j'ai craqué pour 4 petites choses. J'ai acheté pour un swap que je suis en train de préparer pour Noël. J'ai acheté beaucoup de choses pour mon swap, mais du coup pour moi je me suis quand même pris 2-3 petites choses qui me faisaient envie. Déjà, premièrement, je ne pouvais pas résister à la palette Icy Nude pardon, de chez Huda Beauty. J'ai cru comprendre que c'était la dernière qu'elle allait sortir en ce format là. Et moi je suis une grande fan d'Huda Beauty. J'ai revendu toutes les petites palettes d'Huda, mais les grandes c'est vraiment mes préférées, et du coup bah je les ai toutes encore gardées et c'est celle que j'ai envie d'acheter absolument. Donc je suis un peu triste qu'elle arrête les grandes palettes parce que vraiment c'était mes préférées. D'ailleurs la dernière qu'elle avait sortie c'était vraiment une de mes préférées. Et là j'aime beaucoup aussi l'harmonie, il y a un peu de rosé, un peu de couleur froide avec les gris, et vous avez aussi des nudes marronnés pour le quotidien. Ça a l'air canon, ça a l'air hyper bien pigmenté. Donc je l'ai pris avec une petite réduction. C'était pas une réduction de ouf, je sais qu'en France j'aurais pu avoir mieux, mais je n'ai pas le choix ici, je trouve pas encore les bons plans, les bonnes réductions. Et je ne suis pas gold, chez Sephora pour l'instant. Alors ici c'est pas gold, hein, c'est un autre nom, je crois que c'est rouge. Vous avez Insider, VIB, Very Important Beauty, et rouge. Donc je pense que le rouge ça équivaut au gold de France. Mais moi je suis encore au milieu, je suis encore en transition, j'ai pas assez dépensé chez eux. Je me suis pris la poudre de chez Mario, Makeup by Mario. C'est une marque qui ne me donne pas spécialement envie, mais Mimi Signature, on a parlé de cette poudre en disant que c'était le must à avoir par rapport à la Laura Mercier qui est déjà bien. Elle dit que celle-ci, elle est encore mieux. Alors moi, j'adore la Laura Mercier pour le teint. Du coup, elle a dit que c'était mieux. Je l'ai acheté, je me suis laissée influencer. J'ai pris la teinte 2 Neutral Light et effectivement, elle est bien, mais je vois pas en quoi elle est mieux que Laura Mercier. Parce que oui, elle va affiner le teint. Elle va... j'ai vérifié en même temps parce que j'ai utilisé ce matin. Elle va beaucoup matifier le teint. Et moi, c'est pas ce que j'aime. J'aime bien quand le teint, il reste naturel. Donc là, mon teint, il est quand même plutôt matifié. Après, c'est vrai que elle a pas mal resserré mes pores. Elle a cet effet vraiment floutant qu'il y a un petit peu sur la Laura Mercier, mais peut-être que celle-ci c'est un peu mieux. Bon, je vais continuer à la tester, je vous en parlerai, mais voilà, c'est en plein dans mes tests du moment. Je me suis repris mon must-have, le Hair Blur Brush Flawless, donc c'est le spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. Ça c'était une offre qui valait vraiment le coup, c'était 44$, le lot de 2, et à l'intérieur vous avez, quel format, c'est le petit ou c'est le grand d'ailleurs, je n'ai pas fait gaffe, mais le petit il coûte déjà 35$ canadien. En France, je vous avoue que je ne sais plus les prix, mais ça valait entre guillemets les deux pour le prix d'un quasiment. Donc je me suis dit, je crois que c'est les... Bah écoutez, je sais pas, c'est peut-être les petits formats, mais on en a deux pour le prix d'un. Je trouvais que ça valait le coup par rapport au prix de base. Et c'est les offres là, des coffrets de Noël comme ça. Donc comme c'est un de mes sprays fixateurs les mieux, je trouve qu'il unifie bien le teint, il fixe très bien le teint et il fait pas cet effet carton ou peau comme ça. Donc j'aime beaucoup. Et chez Charlotte Tilbury, je me suis pris le duo comme ça pour le teint avec le blush et l'highlighter. Alors dans mes souvenirs, j'avais déjà craqué il y a longtemps pour l'highlighter, je crois.
et j'avais pas aimé, je l'avais revendu. Je crois que c'était l'highlighter ou le bronzer, j'arrive plus à me rappeler, mais un des produits dans ce style-là, j'avais testé il y a très longtemps, j'avais pas aimé. Mais c'est vrai que j'en entends beaucoup, beaucoup parler en disant que c'est vraiment des highlighters et des blushs très connus, très bien, top. Des must-have. Donc là, je me suis dit, un petit coffret, ça reste des mini-produits et je vais pouvoir les retester, me refaire un avis. Il paraît que chez Sephora, si on n'aime pas, on peut ramener les produits, même utiliser, sous 30 jours, je crois. Écoutez, j'en sais rien. J'ai pas encore testé ce truc-là chez Sephora US et chez Sephora Canada. Mais en tout cas, je me suis dit que bon, j'allais retester, ça me redonnait envie ce petit coffret. Et puis, il faut avouer que leur petit coffret, il donne trop, trop, trop envie. Hein. Donc j'ai été fait. Chez Bath & Body Works, il y a eu d'énormes offres. J'y suis allée une première fois avec ma copine Mélanie quand elle est venue ici. Vous avez vu le petit vlog. Et j'y suis allée une deuxième fois avec Chérie parce qu'il y avait des offres sur les bougies. Donc la première fois, il y avait des offres sur les petites bougies. Hop, voici mon sac. Ça, c'était ma première fois. J'ai repris des pousse-mousse pour les mains et puis après des petites bougies parce qu'il y avait une offre. Pour les pousse-mousse pour les mains, il y avait une offre, c'était 29$ les 7. Donc j'en ai pris évidemment 7. J'en ai pris plusieurs avec l'effet gel comme ça, qui sont des odeurs de Noël ou pas. Alors attendez, je vais essayer de vous redire. Le Salted Caramel Pretzel. Donc ça c'est un peu le caramel, bretzel, cinnamon, donc cannelle. J'ai pris celui-ci qui est un peu de Noël, des notes de cerise, celui-ci de canneberge et de pincée de sucre. Et celui-ci qui est un traditionnel à la vanille sucrée. Donc voilà, j'ai pris en version gel. Je les aime bien aussi ceux-là, mais c'est vrai que mes préférés, ça reste ceux qui sont en version mousse. Donc là, en version mousse, j'ai pris des collections de Noël. Je vous les montre derrière. Le Snowy Peach Berry. Celui-ci, c'est le Coconut Angel Cake. Donc une odeur un petit peu de noix de coco, de gâteau. Ils appellent ça gâteau des anges. Donc ça me donnait bien envie. Je vous dis pas dans mon sac comment ça sent méga méga bon. Et les deux derniers que j'ai pris pour faire 7, c'était le Gingerbread Bakery. Donc gâteau un petit peu au gingembre, au... Comment ça s'appelle ces gâteaux-là? Biscuits, pain d'épices, voilà. Et Christmas Kitchen, donc un peu la cuisine... Noël dans la cuisine, je sais pas, mais c'était une odeur trop adorable. Vraiment, ces odeurs étaient très réconfortantes, très noéliques. Donc j'ai pris aussi les petites bougies parce qu'il y avait une offre à 6$, les petites bougies comme ceci. C'est les petits formats avec une seule mèche. Et 7$ à peu près, ça équivaut à 5€. Donc honnêtement, pour du Bath & Body Works, ça valait trop le coup. J'ai pris la Bring Christmas Morning. Si vous venez dans le coin aux États-Unis ou au Canada, vraiment passer chez Bath & Body Works, vous ne pourrez pas résister, c'est pas possible, et laisser de la place dans votre valise. Cette odeur de celle-ci, c'est vraiment ma préférée de toute la collection de Noël, je trouve. Il traduit ça comme magnifique matin de Noël, mais c'est tellement ça. Une odeur douce, acidulée, de bonbons, mais pas trop. Cette petite odeur de matin, enfin, j'adore. Toujours dans la collection de Noël, j'ai pris la Frozen Lake, qui est une odeur un petit peu plus masculine. Ouais, clairement, c'est une odeur un peu plus fraîche, masculine. Et c'est tous des bougies à base de soja pour information. Et il y a une petite touche de lavande à l'intérieur et d'eucalyptus. C'est peut-être ce côté-là qui fait frais et masculin. J'aime tellement, 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 tellement. Et la dernière pour à peine 5€, c'est un must-have pour moi. Je l'avais déjà en grand format. Et là, je suis trop contente de l'avoir en petit format comme ça. C'est la Cactus Blossom. Oh là là, mais comment vous décrire cette odeur? C'est, ils appellent ça fleur de cactus, agrumes frais et noix de coco vanillée. C'est best, 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 best. Vraiment, elle est trop bien. Ça, c'était pour mon passage quand j'étais avec Mélanie. Comme je vous ai dit, j'y suis retournée toute seule avec mon mari. Et j'ai quand même beaucoup craqué. Déjà, Mélanie, elle s'est acheté ça. Et donc, je n'ai pas pu résister. Comment Mélanie a pu trouver ça sans moi? Je n'avais jamais vu que Bath & Body Works faisait des parfums. Et après, quand j'y suis retournée, donc... après avoir repéré chez Mélanie, j'ai vu qu'ils en faisaient plusieurs, mais je ne les ai pas trouvés, il n'y avait que celui-ci en stock. J'aurais aimé sentir les autres odeurs qu'ils proposaient, mais j'ai pas trouvé. Donc, hein, j'avais pas vu, la boîte avait abîmé, enfin elle est sale un petit peu, mais déjà la boîte est canon pour faire un cadeau. J'avais une réduction sur le coffret, je crois, de 20$ quasiment, donc c'était quand même une réduction pas négligeable. Je pense que le parfum, il a dû me coûter 35€, 40€ pour celles qui veulent le prix en euros. Voici le coffret, donc rien d'extraordinaire, c'est vraiment qu'un parfum, mais c'est quand même un gros parfum, un gros flacon.
Et c'est une odeur vraiment de cerise. Comment vous dire ? Alors, cerise vibrante, cerise éclatante, camélia rose, crème d'amande fouettée. Je vous dis pas le cocktail que ça fait. Et c'est une bouteille de combien ça ? Je pense que c'est un 100 ml tellement elle est grosse. Elle est vraiment magnifique. Le coffret est très beau. Je vais pouvoir le mettre là dans ma... Ouais, c'est 100 ml, c'est bien ça, c'est écrit ici. Et c'est une odeur vraiment très sucrée, très gourmande. Donc, j'aime beaucoup, mais je ne le mettrai pas tout le temps. C'est vraiment une odeur à mettre par petite touche de temps en temps, parce qu'il sent très très fort. Et après, j'ai craqué que pour les bougies. Donc, ils ont été adorables, comme il y en a beaucoup. Je ne sais pas combien il y en a, moins 7, 8. C'était 13$ les grosses bougies comme ça. 13,80... Non, même pas 12,90. Donc, vraiment 13$, ce qui fait 10€. Les grosses bougies de chez Bath & Body Works, qui sont les plus connues chez eux, hein, avec les trois mèches comme ça. Oh là là, celle-ci, mais... Celle-ci, c'est une odeur de spa. Vraiment, elle s'appelle Aroma Arôme. C'est cieux apaisant, à base un petit peu de lavande et de menthe, encore une fois. Et c'est vraiment une odeur de spa. Vous mettez ça chez vous, vous faites un bon bain. C'est vraiment l'odeur parfaite. Évidemment, j'en ai pris beaucoup. Il y en a qui sont pour moi, il y en a qui sont pour offrir à ma belle-mère. Donc, vous inquiétez pas s'il y en a énormément. Je n'ai pas pu résister, évidemment, à acheter pour offrir à ce prix-là. Ça fait à peine 10€. C'est quand même des beaux cadeaux. J'ai pris la Winter Golden, qui est une odeur vraiment de poire. Regardez-moi ce packaging qui est vraiment très beau pour offrir, encore une fois. C'est pas cher pour des beaux cadeaux, je trouve. C'est vraiment une odeur de poire. Avec vraiment une petite touche de Noël à l'intérieur. C'est très très agréable. Celle-ci, bah, je vous l'ai dit, hein, c'était ma préférée en petit format. J'étais obligée de la prendre en grand. Donc matin de Noël. Celle-ci, elle est vraiment tellement bien. Tellement bien que j'ai dû la reprendre en grand format parce que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas résister. On passe au petit sac ici où il y en a 4. Donc en tout, j'en ai pris 7 et que c'est ça. 7. Celle-ci, je crois que c'est au linge propre, pomme croquante et doux musc. Elle est... C'est vraiment l'odeur de propre, de linge propre. Elle est très jolie d'ailleurs dans une maison, ça reste sobre. J'aime tellement. Hop, j'ai posé là les gros pots là. Celle-ci, je l'ai pris à cause de Mélanie, c'est flanelle. C'est dans la collection de Noël. C'est vraiment une odeur, encore une fois, un peu masculine. De propre, de linge, mais masculine. Du coup, j'ai hésité, mais je l'aime bien. Ça change des bougies un peu trop sucrées des fois qu'on a. Et je pense que pour mon mari aussi, une odeur un petit peu moins... gourmande, ça peut lui faire plaisir. On a pris Vanilla Bean, je crois que c'est pour belle maman ça. Voilà, une odeur vraiment de vanille, de marshmallow, c'est très sucré celle-ci, mais je pense que ça plaira à belle maman qui aime bien un peu ce style d'odeur de temps en temps. Je crois qu'on lui a pris celle-ci et celle-ci, voilà. Ces deux-là, c'est pour belle maman. Lakeside Morning, donc ça c'est air frais, bois flottant, pomme verte fraîche, vraiment une odeur un petit peu... Ouais, de... Ouais, c'est plus doux, c'est plus frais. De maison propre quoi, une odeur de maison propre. Donc ça c'est dans les collections un petit peu permanentes que vous trouvez tout le temps. Voilà pour mon craquage chez Bath & Body Works en bougie, mon craquage chez Sephora, mon craquage chez Dior. Maintenant je pense que je vais essayer de me calmer un petit peu parce que là j'ai quand même en quelques semaines un peu trop dépensé ma foi. Mais je ne pouvais pas passer à côté de la Huda Beauty. Je pense que je vais essayer de voir si je vais craquer sur le site Huda Beauty parce que pour le 11 novembre, elle fait souvent des sacrés promos avec des moins 80%, mais il faut être connecté assez vite. Donc peut-être que j'irai craquer à ce moment-là. Je ne sais pas, en plus les offres ici, je verrai bien. Et j'aimerais bien potentiellement m'acheter peut-être un diffuseur, le Dyson pour les cheveux ou quelque chose comme ça si je trouve une belle offre. Parce que j'ai cru comprendre que le Dyson pour sécher les cheveux, il était bien aussi pour les cheveux bouclés avec son diffuseur. Il n'était pas trop mal. Il paraît qu'il y a des belles offres au Canada de Dyson au Black Friday, donc on verra bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez une wishlist au Black Friday qui vous attend puisque ça arrive dans les prochains jours. N'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi ce qui vous ferait plaisir dans un potentiel concours parce que j'ai envie de vous faire un gros concours de Noël avec des petites choses là que j'ai achetées. Évidemment, tout ce que j'achète, c'est pas que pour moi. Je pense à ma famille, à mes proches, mais aussi à vous. Et donc, j'essaie de cumuler des petites choses pour vous. Je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos. Si vous êtes resté d'ailleurs jusqu'au bout de cette vidéo, mettez-moi le mot bougie dans votre commentaire. Comme ça, je sais que vous avez tenu jusqu'ici. Et que potentiellement, une bougie, ça peut vous intéresser dans le... une ou plusieurs bougies peuvent vous intéresser dans le prochain concours que j'organiserai spécial Noël. Et comme ça, quand je viendrai en France, je pourrai l'envoyer à la gagnante si c'est une Française. Et si c'est une Canadienne, ben, je l'enverrai à la gagnante ou le gagnant au Canada.
Voilà, sur ce, je vous invite à liker cette vidéo, à se retrouver dans les commentaires ou sur Instagram. Et puis, je vous embrasse très très fort. Passez de bons moments avec vos proches. Salut !